Et je suis Kaori Kurihara, je suis céramiste, je suis née à Osaka et j'ai étudié la technique de céramique à Kyoto. J'ai commencé la céramique un peu naturellement. Première expérience, c'était quand j'étais lycéenne. Donc si je compte comme ça, c'est 11 ans. J'ai rencontré une fruit qui s'appelle durian. Je trouve sa forme, c'est vraiment magnifique. Et à partir de ça, je crée mes fruits imaginaires. Donc à partir de ça, j'ai un peu agrandi mon thème. C'est à partir d'images de Magnolia, cette pièce. Je m'inspire la nature, je cite la nature, mais c'est ma propre création. La terre, c'est totalement libre, n'importe quelle forme je peux. C'est quelque chose de vivant. Et je voudrais faire quelque chose de vivant. Enfin, je voudrais sentir la vitalité par mes pièces. Je ne veux pas laisser une partie que je ne touche pas. Quand je mets le petit élément, je n'utilise jamais du règle et compas non plus. Et d'abord, je cherche, avec mes yeux, je cherche centre. Et je commence au centre. Et ensuite, je vais descendre un petit à petit. Et comme ça, naturellement, ça forme la géométrique naturellement. Quand je regarde, ça me touche. À la fin, quand je travaille, je mets ici et ensuite je observe dans le miroir si c'est bien ou c'est quelque chose de naturel ou je sais pas pourquoi je peux me sentir si c'est pièce naturelle. Et si c'est bon, c'est bon. C'est plus long, c'est pour décider de couleur. C'est long. Alors, je décide de couleur tentée, plutôt rouge, plutôt vert. Je superposais directement sur ma pièce pour mélanger les couleurs. Donc, je cherche avec les couleurs. Quel point c'est plus naturel. On est 6 lauréats d'autres, complètement d'autres domaines. C'est Orliu, textile, bijoux contemporains et Dorieux. Et je ne connais pas du tout cette technique différente. Et c'est très riche de rencontres pour moi. Je participais à un salon qui s'appelle Révélation à un Grand Palais. C'est vraiment c'est incroyable. Comme ça, c'est mon moment de récolte. <C'est... rire> Oui, j'aime bien.